Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esté. Je suis heureuse de vous retrouver pour une session démo vidéo. On termine aujourd'hui notre dernière miniature. Alors pour ce faire, on va peindre aujourd'hui un lapin. Je me suis inspirée, comme vous avez pu le constater, d'une photo retrouvée sur unsplash.com. J'ai bien dit inspirée parce que, comme vous pouvez le constater, le lapin est dans l'autre sens. Voilà, j'avais envie de le mettre dans ce sens-là. Donc, à vous de voir, hein. Vous avez de toute façon la photo que je vais vous mettre aussi en lien sous la vidéo. Je fais une esquisse ici sur du papier aquarellable. Et avec un fusain. Je vais utiliser aussi l'acrylique Arteza, excusez-moi. Je vous avais fait une vidéo, hein, une démo sur le produit, donc n'hésitez pas à les regarder. Je vais vous mettre aussi un lien en haut à droite. Hein, je vous avais présenté la boîte et toutes les couleurs que l'on peut avoir sur cette gamme, qui est vraiment pas chère et plutôt intéressante. Les couleurs sont très vives. Alors vous avez des tubes transparents, semi-transparents et opaques en fonction des couleurs. Donc je vous avais expliqué tout ça, hein, sur la vidéo. N'hésitez pas à les regarder. Hein. Je vous mettrai de toute façon le lien en haut à droite, mais aussi en descriptif de la vidéo, puisque j'avais remarqué qu'effectivement, on ne voyait pas toujours le lien quand je le mets sur YouTube, et en fonction du format utilisé, si c'est téléphone, iPad, etc. J'utilise ici le cercle chromatique pour jouer sur les couleurs complémentaires. De manière à apporter une harmonie à ma peinture ici. Donc je vous montre un petit peu les couleurs complémentaires pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'utilise les couleurs en sous-couche et notamment le blanc pour éclaircir certaines couleurs et apporter donc de la lumière. Cette première ébauche avec cette sous-couche à l'acrylique va me permettre non seulement d'utiliser des couleurs complémentaires qui vont me permettre d'apporter un peu plus de profondeur à ma peinture, mais aussi de faire mon dessin au préalable, c'est-à-dire avoir déjà préparé la peinture finale. Voilà, sans prendre de risques. Vous pouvez bien entendu utiliser aussi de l'eau, hein, si vous voulez éclaircir un petit peu vos couleurs ou les rendre un petit peu plus liquides. Il n'y a pas de souci ici. On va utiliser après du gesso transparent. Vous allez voir ça dans un second temps. Et le gesso, bien entendu, on l'appliquera une fois que notre acrylique sera sèche. Alors je veux quand même vous donner mon avis, hein, sur cette peinture acrylique. Elle sèche extrêmement vite. On n'a pas besoin d'utiliser de sèche-cheveux comme pour l'aquarelle. Franchement, allez, vous comptez jusqu'à 10 et c'est sec. Hein. Là, je joue sur les ombres avec ce gris qui tire un petit peu sur du bleu, pardon, que je trouve très très joli. Et puis j'utilise ici un pinceau, voilà, que j'avais acheté un lot. C'est pas un pinceau pour aquarelle. Alors, je tiens à m'excuser, il y a des travaux, hein, chez moi, donc je ne sais pas si du coup vous entendez un petit peu au fond les marteaux. Bon, j'espère que ça vous gênera pas trop. Et j'apporte du bleu ici. C'est les petits gravats et cailloux que l'on voit au pied de la photo où est positionné le petit lapin. Donc là, moi, je n'ai pas utilisé d'eau, hein, à vous de voir, hein. Il n'y a pas de souci en tout cas. J'ai utilisé, comme pour toutes les miniatures, la fameuse boîte de 120 soft pastels de chez Sennelier, de manière à ce que vous puissiez éventuellement travailler avec une seule boîte. Voilà, et l'intérêt d'apporter du gesso transparent sur cette acrylique va nous permettre d'avoir un papier qui sera abrasif et donc adapté à l'utilisation du pastel et notamment du soft pastel. Voilà, je vais vous laisser poursuivre en musique et j'interviendrai à la fin de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne pratique et puis je vous dis à tout de suite.
Thank you.
Thank you.
Alors, dans ma dernière vidéo, j'avais avec vous profité d'une escale sur Paris et notamment aller au magasin Sennelier pour vous présenter certains matériaux. Et je vous avais promis d'en partager un petit peu avec vous au fil de l'eau. Là, j'ai utilisé le fameux jaune de chez Schmink pour faire les fleurs. Et je vais aussi utiliser le fameux feutre noir de chez Micron pour pouvoir faire les petites moustaches de ce lapin. Donc comme ça vous permet aussi de voir les produits achetés et mis en application à travers les différentes démos. Au niveau du sol, j'ai seulement suggéré hein, les petites pierres que l'on trouve ici. Je vais y revenir. J'y suis revenue d'ailleurs le lendemain. Souvent, je laisse en pause ma peinture. C'est ce que je vous conseille hein, d'ailleurs. Et j'y suis revenue le lendemain et j'ai apporté tout simplement des petits points bleu marine pour faire ressortir les petits galets qu'il y avait voilà, ici. Et voilà, ainsi s'achève notre démo. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain.